La 18e saison de L'Amour est dans le pré a démarré le 21 août dernier. Plusieurs agriculteurs se sont lancés à la recherche de l'amour. Après la traditionnelle étape du speed dating, ils ont chacun invité deux prétendants ES sur leur exploitation. L'occasion de suivre, épisode par épisode, leur péripétie. Quelques mois après la diffusion des portraits des agriculteurs de la 18e saison de L'Amour est dans le pré, M6 a donné le coup d'envoi de cette nouvelle édition 2023. Dans un domaine situé à une heure de Paris, Karine Le Marchand les a retrouvés pour démarrer cette quête amoureuse. Seul Baptiste manquait à l'appel. Le papa a décidé de ne pas poursuivre l'aventure après avoir trouvé l'amour juste avant le début de la saison. Les autres ont pu rencontrer leurs prétendants ES avant de ne choisir que deux. Puis les téléspectateurs ont pu suivre le début des séjours à la ferme entre rires, premier rapprochement et tension. L'amour est dans le pré 2023, où en est Patrice avec ses deux prétendantes, Véronique et Justine? Dans son portrait, face à Karine Le Marchand, Patrice avait exprimé son ras-le-bol d'être seul, lui qui est atteint d'hémiplégie. Après la lecture de son courrier, il a convié trois prétendantes au speed dating. Son choix s'est finalement porté sur Justine et Véronique. Avec la première, il a passé un moment privilégié dans un café après l'avoir récupérée à la gare. Mais il en a oublié Véronique qui, pendant 15 minutes, a attendu seule. Une fois chez lui, des premières tensions sont apparues entre les deux prétendantes à cause de la cuisson des paupiettes. Puis les piques de Justine à l'encontre de Véronique n'ont pas arrangé les choses. Lors d'une sortie au supermarché, le côté militaire de Justine a agacé sa rivale qui, face caméra, a confié « Elle commence à me saouler ». Juste avant, Patrice avait assisté à la drôle de rencontre entre son père et Véronique. Justine, elle, en avait profité pour faire un tour de tracteur avec lui, laissant Véronique sur la touche. L'amour est dans le pré-saison 18, où en est Jean-Paul avec ses deux prétendantes, Maria et Christelle? Jean-Paul s'est lui aussi lancé dans la quête de l'amour. Si Karine Le Marchand ne l'a pas reconnu lors de son speed dating, l'agriculteur a flashé sur deux prétendantes, Christelle et Maria. Après avoir accueilli la première avec du retard, il a retrouvé la seconde qui, pour l'occasion, lui a fait un étonnant cadeau personnalisé, une déclaration enflammée écrite sur un t-shirt. Une attention qui n'a pas vraiment fait de l'effet à l'agriculteur, qui a même demandé à sa prétendante de ne pas trop aller vite dans le jeu de la séduction. Avant ça, il avait pu passer du temps avec Christelle à qui il a dit une phrase très osée. L'amour est dans le pré 2023, où en est Anaïs avec ses deux prétendants, Thomas et Romain? Éleveuse de chèvres, Anaïs a décidé de laisser une place à l'amour dans sa vie. Si est-il donc tout naturellement qu'elle a participé à l'amour est dans le pré? À l'issue de son speed dating, elle a convié Thomas et Romain sur son exploitation. Si est Thomas qui est arrivé en premier sur son élevage. Et autant dire que l'accueil qu'il a reçu a été pour le moins expéditif, l'agricultrice étant prise par ses « obligations professionnelles ». Une fois au marché, la situation ne cesse pas d'arranger. « Je ne m'attendais pas à ça », a confié le jeune homme, dérouté par son accueil un peu froid. Romain, lui, n'a pas encore fait ses premiers pas sur l'exploitation. Mais sa venue est très attendue par Anaïs. Si est-il vrai que j'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose au speed dating, je pense qu'on s'est vraiment cherché dans le regard.
Ça a été réciproque, j'ai hâte de le voir, voir si ça refait la même chose ou pas, a-t-elle confié. ADP, où en est Roméo avec ses deux prétendantes, Clotilde et Sophie? Avant son speed dating, Roméo a veillé au confort de ses prétendantes. Ainsi, il a été les voir pour les encourager à être elles-mêmes face à lui. S'il a accueilli une ancienne prétendante d'un candidat emblématique de l'émission, il a aussi vu son coup de cœur s'en aller. En effet, celle qu'il avait touchée grâce à son courrier a préféré arrêter l'expérience après les speed data. Au terme de ses rencontres amoureuses, Roméo a choisi d'inviter à la ferme Clotilde et Sophie. Après les avoir récupérés à la gare, il leur a fait une étonnante proposition dans la voiture. Puis, afin que chacune d'elles ait sa chambre, il n'a pas hésité à déménager son lit dans un endroit pour le moins inattendu. L'amour est dans le pré, où en est David, l'agriculteur boycotté par les prétendantes? Malgré la diffusion de son portrait en février dernier, David n'a pas eu de courrier. Face à Karine Le Marchand, il a tout de même confié avoir le moral. L'animatrice, elle, a tenu à le rassurer pour la suite de son aventure. On n'a pas baissé les bras. On a décidé de laisser maintenant la boîte à lettres de David ouverte pendant plusieurs semaines s'il le faut. Et si dans quelques semaines, tu as la lettre providentielle, évidemment on te la remet et hop, on organise une ferme, lui a-t-elle dit. ADP 2023, où en est Julien avec ses deux prétendants, Thibaut et Bastien? Julien, qui a déjà participé il y a 8 ans à L'Amour est dans le Pré, a fait son retour dans cette 18e saison, mais pour cette fois trouvé l'amour. À la lecture de ses courriers, l'agriculteur a employé une technique très personnelle pour découvrir la taille de ses prétendants. Il s'est également montré très exigeant niveau critères lors du choix du courrier. Si est-il pourquoi il n'a choisi que 3 prétendants à venir le rencontrer lors des speed data. Son choix s'est finalement porté sur Thibaut et Bastien. L'amour est dans le pré, où en est Perrine avec ses deux prétendants, Florian et Firmin? Si est-il stressé que Perrine s'est présentée face à Karine Le Marchand pour ses speeds d'atteint de L'amour est dans le pré? Celle qui confiait dans son portrait être atteinte de la maladie de Crohn a pris son courage à deux mains pour rencontrer ses 6 prétendants après avoir minutieusement choisi son courrier. Après ses rendez-vous galants, elle a sélectionné Florian et Firmin, le routier. ADP 2023, où en est Olivier avec ses deux prétendantes, Corinne et Laurine? Olivier a décidé de se lancer dans cette aventure car la solitude lui pèse, lui qui est très proche de sa nièce, son rayon de soleil. Lors du tournage de son portrait, il avait confié à Karine Le Marchand être à la recherche d'une femme gentille, féminine, douce, généreuse et à l'écoute. À l'issue de son speed dating, il a choisi Corinne, une aide-soignante dont la lettre l'avait interpellé. Laurine lui a aussi tapé dans l'œil. Si est-il donc tout naturellement qu'il a sélectionné pour la suite de l'aventure. L'amour est dans le pré-saison 18, Charles lui aussi sans courrier, mais... Comme David, Charles n'a pas reçu de courrier correspondant à ses attentes. Il faut avancer. Pour l'instant, il n'y a pas d'amour, mais ça viendra, a-t-il confié. Karine Le Marchand a souhaité le voir pour discuter avec lui de cette situation. Tu as reçu du courrier, mais ce n'était pas le bon courrier. Et tu avais aussi 2 courriers, 2 femmes sans doute complètement enamourées, à tel point qu'elles n'ont pas laissé leurs coordonnées,
donc on n'a pas pu les retrouver, lui a-t-elle dit. S'il s'était préparé à cette éventualité, Charles a confié s'être fait des amis grâce à l'amour et dans le pré. Mais son expérience dans l'émission est loin d'être terminée.